Bonjour, bonsoir mes chers amis les lions, bienvenue sur ma chaîne La Fée Catherine. Merci, merci, merci pour votre patience. Je sais que j'étais un peu longue aujourd'hui, enfin ce mois-ci. Donc c'est pour les signes, pour le signe du lion. Donc si vous êtes du signe lion, si vous avez l'ascendant lion, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est du signe du lion, ou tout simplement si vous-même vous êtes du lion bien entendu, mais si vous connaissez, je l'ai dit, voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Ou si vous avez la lune en lion, je l'avais oublié, voilà. Donc on va faire un tirage pour vos égalisations. Donc bienvenue sur ma chaîne La Fée Catherine, pour les habitués, pour les fidèles, pour vous qui m'accompagnez depuis tant d'années, merci beaucoup. Pour les nouveaux, soyez les bienvenus. N'oubliez pas de vérifier si vous êtes bien abonné. Si vous ne l'êtes pas, je vous en prie, faites-le, ça me ferait plaisir. Likez la vidéo et mettez un commentaire en dessous de la vidéo si elle vous a plu. Voilà, on va commencer. Alors pour ceux, je le répète à chaque fois, comme ça c'est clair, si je ne vous regarde pas, c'est parce que je vois des formes, des couleurs, des petits films, et je vous les transmets. Voilà. Alors mes lions, je vous vois vraiment comme un lion ou une lionne, tapis comme ça, prête à vous observer, et vous êtes prête à réagir ou à foncer. Il y a quelque chose qui se passe pour vous, les lions, c'est-à-dire que vous êtes prêt à réagir assez rapidement par rapport à certains événements, par rapport à des attentes. En clair, vous êtes, c'est comme si vous observiez une proie, mais c'est pas une proie ici, c'est par rapport à l'animal, mais c'est surtout par rapport à un événement, par rapport à un changement que vous avez besoin, que vous avez mis en place et qui a mis du temps à se mettre en place. Et donc du coup, vous savez que c'est presque instantané, que ça va arriver. Quand je dis instantané, c'est le moment, c'est ça que je veux dire. Est-ce que c'est une proposition de place? Est-ce qu'il faut réagir par rapport à une demande de changement au niveau professionnel? Est-ce que c'est par rapport à un achat d'une maison? Toujours est-il que vous êtes prêt à agir assez rapidement par rapport à ce que vous avez mis en place il n'y a pas si longtemps, par rapport à une demande. Vous étiez fort stressé, les lions, fort stressé par rapport à cette demande. Et ça concerne quoi? Qui? Apparemment, vous êtes plusieurs à vouloir ce changement ou ce bien ou ce poste. En tout cas, il y a comme une compétition pour vous. Les cartes, hein. Je mets, donc je suis un peu lente, un peu de patience. Donc pour vous, il y a des choses qui doivent se produire, des changements que vous avez mis en place, mais pour l'instant vous êtes prêt à bondir, prêt, c'est pour hommes et femmes, à réagir assez rapidement, parce que ça fait un moment que vous attendez. Il y a beaucoup de changements, hein. Je dis souvent, et ça a l'air d'être répétitif, mais ça va s'enclencher, hein. C'est vraiment par rapport à un changement professionnel, hein. Vraiment, vous êtes prêt à prendre le devant et à réagir par rapport à ça, à vos demandes, hein, je parle de la réaction. Votre morale, c'est un petit peu compliqué parce que vous êtes en attente, donc du coup, c'est difficile d'être dans la liberté et dans le lâcher prise pour vous au niveau du mental, hein. Vous êtes focus sur ce que vous voulez. Parce qu'au niveau professionnel, il y a vraiment des changements importants à faire, très très importants pour vous. Il y a pour certains lions un désaccord avec une femme au niveau professionnel.
Vraiment une femme. Je vois vraiment que c'est la femme. Ça, c'est au niveau professionnel. Et c'est pour vous apporter un meilleur. Des fois, il y a des changements qui s'opèrent où des fois, on a l'impression d'être acculé. On a l'impression que rien ne va. Et en fait, c'est dans un but bien précis, c'est de vous amener là où vous devez être. Ça va comme ça. C'est-à-dire qu'on vous amène là où vous devez être, alors que pour vous, ça paraît tellement compliqué, tellement difficile, vous dites, jamais je peux, c'est pour moi, jamais je pourrais y arriver. Et alors, oui, si l'univers vous amène là, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Parce que pour le moment, c'est beaucoup de questionnements au niveau professionnel, ça c'est certain. Au niveau de la famille, au niveau de votre entourage, les lions, il y a une femme de votre entourage qui est vraiment, vraiment pas bien. Après, ça a l'air d'aller mieux. Et puis, de nouveau, ça va pas bien. Voilà. Et donc, c'est un peu compliqué pour vous aussi, au niveau des sentiments, parce que vous êtes attaché à cette femme, et donc, ça vous touche. Et quand ça va bien, vous avez plein d'espoir, vous espérez que ça aille de mieux en mieux. Et puis, c'est pas vraiment une rechute, mais elle va moins bien. Et donc, du coup, ça vous touche à chaque fois. C'est comme si vous aviez chaque fois des petits coups de poignard. Voilà. Vous devez aussi faire attention à votre santé dans le sens les ganglions, le système lymphatique un petit peu, les cheveux, on me remonte les cheveux. Je pense que c'est pas la première fois que je vois ça. Je crois que beaucoup de personnes veulent changer de situation. Ici, c'est plutôt que je vois des cheveux redressés, comme si vous étiez saisi d'une certaine situation, comme si vous étiez étonné, comme si vous avez eu un choc. Enfin, et donc, on me montre des cheveux en l'air dû à un choc. Alors, c'est juste symbolique. En clair, ça veut dire qu'il y a des situations qui vont vous étonner. Et pour être plus clair, vous allez apprendre des choses par rapport à certaines personnes qui vont vraiment vous étonner. Vous allez apprendre des choses par rapport à vous-même qui vont vous étonner. On m'a dit que vous allez gagner par rapport à ce que vous attendiez. Comme si, j'avais dit au départ, c'était comme une compétition. On fonce, chacun fonce pour y arriver. Donc par exemple, si vous êtes plusieurs pour acheter un bien. Moi je sais quand j'ai acheté ici mon appartement, on était 3-4 familles en même temps. Le stress. Donc il faut donner une décision assez rapidement. Et bien vous, c'est pareil. C'est qu'il faut donner une décision très rapidement et vous êtes prête à bondir. Quoi. Vous êtes vraiment prêt à sauter pour ne laisser personne vous devancer et vous être devant vous. Parce que ça fait longtemps que vous voulez ce changement, que ce soit une promotion professionnelle. Et quand je parle de promotion, c'est changer de secteur, changer peut-être de... comment on appelle ça de... Ah, j'ai un trou là. Changer de responsable, mais changer aussi de département. Voilà, je cherchais le terme. Et vous avez gain de cause. Donc, vous parvenez à avoir un changement professionnel. Ça n'a pas l'air facile au départ. On a l'impression qu'on met un holà à vos demandes pour diverses bonnes raisons. Et vous avez le holà parce que vous allez avoir ce que vous voulez. Si vous voulez une interruption de quelques temps, vous allez l'avoir. Si vous voulez changer de secteur, vous allez l'avoir. D'accord? Si vous voulez vous installer à votre compte, vous allez le faire. Et alors que vous êtes un peu angoissé par rapport à ça. J'ai également vu, par rapport aux finances, que vous allez retoucher de l'argent. Pour moi, c'est une forme d'héritage. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé tout de suite, dès que j'ai parlé de la femme malade, parce que pour moi, c'est deux choses différentes. D'accord? Une femme qui n'est pas bien dans votre entourage, dans votre famille. Ici, c'est et je me dis, si j'associe les deux, vous allez tout de suite faire un rapprochement. Pour moi, ça ne sera pas les mêmes, comme dire, conséquences. C'est pas parce que la femme est malade que vous allez retoucher ou toucher son argent dû à son décès. Non. Ici, c'est une somme qu'on vous doit, soit un héritage que vous attendez depuis un moment, soit un héritage qui arrive, ou une somme qu'on vous doit depuis longtemps, genre un remboursement dû à un accident de voiture,
dû à un incendie, dû, enfin voilà, les assurances vous donnent ce que vous devez. C'est une somme, ça peut être aussi les contributions qui sont généreux et qui vous donnent ce que vous avez pris en trop. Voilà, ceux qui me connaissent, ils savent pourquoi je fais cette illusion. Ça va avec le micro, je fais beaucoup de bruit, hein. On va encore me dire, il y a du bruit, Catherine, je vous écoute plus. Voilà, c'est mieux comme ça, je crois. Il y a de l'argent aussi qui rentre et qui part très vite, il y a des dépenses. Hein. Pour l'instant, vous faites face. Des travaux chez vous à la maison, il faut les terminer. Ça dure trop longtemps pour l'instant, il faut les terminer. Votre morale va aller de mieux en mieux, les lions, vraiment. On dirait que j'ai plein de choses à vous dire, les lions. Je vais tirer les cartes des fées. Je les aime beaucoup. Barnabé et le prince. Oui, il y a des changements. Parce que ce changement que vous voulez absolument, assez rapidement, comme s'il y avait urgence, c'est peut-être pour ça que je parle très vite aussi, c'est comme s'il y avait urgence. Ce changement, en fait, vous allez ouvrir d'autres portes grâce à ce changement. Dans certains cas, vous n'allez pas rester à ce changement, dans ce changement professionnel, je parle, que vous avez tellement voulu, tellement désiré, parce que vous allez vous rendre compte que c'est juste pour vous permettre de partir plus loin de ce que vous avez pensé pouvoir continuer dans votre vie. En clair, des fois, on a des idées préconçues, on a l'impression que c'est ce travail-là que je vais faire jusqu'à la fin, je vais attendre ma pension. Eh bien non, vous allez être guidé par un autre chemin. Voilà. Les travaux vont bientôt se terminer. Si vous avez des travaux à faire chez vous à la maison, ils vont bientôt se terminer. Et ça concerne le toit aussi. Le toit est une espèce de... Comment on appelle ça de gouttière. La gouttière, voilà. Une gouttière aussi, il faudra arranger... Il y a des feuilles, il y a quelque chose qui bloque, il faudra voir par là. C'est la voie secrète. Vous avez envie de découvrir autre chose. C'est pour ça que je vous ai dit que professionnellement, vous êtes encore pressé d'avoir ce changement. Il faut vraiment, parce que vous avez l'impression d'être libéré par après, vous avez l'impression que votre vie sera plus facile. Et en fait, ça vous ouvrira une autre porte. Et ça vous ouvrira une porte, comme ici, vers une voie secrète. C'est-à-dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va vous amener là où vous ne pensez pas aller. Là où vous ne pensez pas qu'un jour ce serait pour vous. C'est-à-dire avec plus de liberté, plus de facilité. On ne dirait pas que c'est comme ça pour l'instant. Parce que le monde est très compliqué et ce n'est pas fini du tout. Bien au contraire. Mais ça ira mieux, hein, ne vous inquiétez pas. Et donc, ceci va vous montrer une autre voie. Et ceci va vous montrer que ce que vous connaissez va changer, va prendre une autre forme. Encore mieux, encore plus facile. Et encore, ça va vous correspondre encore plus fort. Et le professionnel va jouer beaucoup pour vous, les lions. Si vous êtes à la retraite, ce que vous avez fait avant, professionnellement, va vous aider dans votre vie actuelle. Si vous ne faites rien, je vous dis, vous allez créer des choses, vous allez pouvoir vous occuper et vous allez peut-être même trouver des... parce que certains retraités ont besoin de travailler actuellement pour... je fais ça parce que je sais ce que ça veut dire. Suivez-moi dans les lives et vous comprendrez. Et donc vous aurez le petit boulot, le petit travail supplémentaire nécessaire à votre survie. Voilà. Et la dernière, la porte du géant vert. C'est vrai que je parle très très vite, hein, parce que j'ai l'impression que je vous vois courir après mise en place, que vous avez mis en place pour pouvoir cette compétition. Apparemment, vous êtes à plusieurs à essayer d'avoir cette place, ce logement, et c'est vraiment la compétition. Vous allez avoir accès à d'autres dimensions. Vous allez avoir
je remontre, vous allez avoir accès à d'autres possibilités. Certains lions sont un petit peu ce qu'on appelle fermés. Vous êtes vraiment fermés dans certains domaines, donc notamment la spiritualité, certains. Hein. Et donc tout d'un coup, vous allez commencer à vous ouvrir de plus en plus et ça va être magique pour vous. Ceux qui le sont et qui sont déjà une perception, une approche de la spiritualité, ceux qui sont même très très proches, ça va prendre une dimension incroyable pour vous et donc les messages vont arriver vers vous. Ici, quand je vous ai vu, je parle trop vite, je ne sais pas pourquoi, quand je vous ai vu sur le starting block, c'est ça qu'on dit, prêt à démarrer, prêt à courir, à prendre votre envol, on va dire, mais en tout cas, aller courir un maximum, le plus vite possible pour avoir, mais c'est une image, hein, ce que vous désirez, donc surtout cette place professionnelle, je pense, ou ce bien, ben vous allez l'avoir. Et vous allez vous rendre compte que tout ça fait partie de ce que vous ne voudrez plus dans un futur, c'est-à-dire la compétition, se dépêcher, être en urgence. Vous allez, ça va être fini pour vous. Vous avez envie de sérénité, vous avez envie d'être en paix, vous avez envie de ne plus avoir de réveil pour vous lever le matin, d'être dans ces obligations, dans cette compétition, ça va être dans le calme. Oui. Attention aussi du côté de la hanche ou du flanc, je dirais gauche. Voilà. Quand je vois les images, je ne parviens toujours pas pour l'instant à savoir si je dois vous parler en miroir. Donc si par exemple je vois ici en face de moi une image, pour moi, ça c'est le côté droit. Mais je ne sais pas si du coup c'est le gauche puisque c'est en forme de miroir, enfin c'est plutôt le reflet miroir, ou si je dois donc me tourner, essayer de visualiser est-ce que c'est le côté gauche ou droit que je dois vous dire. Donc pour moi, le côté, le flanc que j'ai vu, donc toute cette partie du ici, le flanc, pour moi c'est du côté gauche. Et le gauche, c'est les émotions. Donc vous avez accumulé beaucoup d'émotions, les lions, et pas toujours dans le verbal, vous avez difficile à vous exprimer par moment, ça va tout doucement partir et vous allez pouvoir vous exprimer. La maison, je viens de parler, on voit la maison, le foyer, c'est là où vous habitez. Des petites tensions à faire attention, que vous soyez seul ou pas seul, hein, c'est des tensions. Changement, vous avez l'intention de voyager aussi et de partir de là. C'est des projets qui vont se mettre en place. Et donc j'avais dit que ceux qui veulent, qui sont à plusieurs pour avoir une maison, qui a plusieurs de demandes, il faut soit des fois faire des surenchères, vous allez l'avoir, d'accord? Des frais, hein. Je vous dis, il y aura des frais dans la maison. Hein. Donc je pense que les frais, c'est les factures habituelles. Mais ici, c'est une facture inattendue. Et je pense que c'est dû à un toit et une gouttière. Voilà. Ou et peut-être isolation du toit. Enfin voilà. Des normes. Ah oui, ils demandent maintenant des nouvelles normes. Donc voilà. À vous de voir. Il y a aussi une vente de maison hein, pour vous. Ou d'un bien également. Héritage, c'est une somme d'argent, ça revient, qu'on vous doit et que vous allez recevoir. Si vous n'avez plus eu de nouvelles depuis bien longtemps d'une ex-compagne, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. C'est vraiment une femme en fait, c'est pas un homme, c'est une femme. Et c'est par rapport à un enfant. Je pense aussi que pour certaines familles qui ont refait leur vie, qui ont continué leur vie avec une autre personne, c'est une femme là par contre, une femme aussi, une femme, donc votre première femme, c'est vraiment femme, je pense qu'on peut dire pour les hommes aussi, mais c'est parce que je vois bien que c'est une femme, vous allez voir pourquoi, j'insiste, dont vous avez eu un enfant ou des enfants, vous entendiez, vous ne vous... Non, vous entendiez pas trop,
Ah ouais, je le dis mal. Vous ne vous entendiez pas trop. Et donc, ici, vous allez voir de ces nouvelles, ça va se calmer. Donc, si avec votre ex-conjoint, vous ne vous entendiez pas trop dû par rapport aux enfants, avec vos premiers enfants, ça va se calmer. D'accord ? Vous allez trouver un terrain d'entente. Oh oui, le travail, c'est décider. Beaucoup de personnes vont faire ça. Prendre les choses en main et ne plus vous reposer sur ce qu'on appelle les lauriers, qui ne sont pas vraiment des lauriers, donc vous n'êtes pas toujours tranquille. Vous reposez pour pouvoir continuer votre passion, votre chemin. Et vous allez prendre une autre direction, ça je vous l'ai dit. D'accord ? La santé, il faudra vous reposer hein, aussi et faire attention. Donc vraiment, ça revient à tout ce qui est système lymphatique, tout ce qui est rétention d'eau aussi, le nez qui coule, enfin voilà, des petites choses comme ça. Et les intestins, ça c'est, je pense que ça fait partie de votre fragilité, les lions. Dites-moi si c'est exact. Voilà. C'est bien hein, les lions, c'est que vous êtes prêts à partir, vous êtes encore dans la compétition, mais tout ça va se calmer, tout ça va prendre un autre sens. Tiens, je vais faire sur les amours, je sais que vous aimez bien. Hop, me dis donc. Ah, j'adore. Ouais, j'adore, je trouve ça incroyable. On parle des amours et hop, un être humain qui apparaît. Décision à prendre, vraiment, pour calmer les choses. Oh. Ah, directement, les trois cartes. Donc, il y aura des décisions à prendre. Il y aura un changement aussi. Voilà, pour certains, il y aura une séparation, mais je ne le ressens pas comme tel. Ce n'est pas le moment pour vous. Il y a des nouvelles, beaucoup de nouvelles. Je ne sens pas qu'il y a une séparation pour beaucoup de lions. Alors, pour certains, oui. Mais ici, je ne le sens pas trop. Ce n'est pas ça. C'est vraiment être clair par rapport à vos envies aussi d'acheter. Vous n'êtes pas toujours d'accord de vendre. Vous n'êtes pas toujours d'accord non plus. Dans le couple, il y a beaucoup de choses à mettre en place, hein, les lions. Ouais, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Je pense que vous avez trouvé une solution. Vraiment. Donc, pour moi, vous allez avoir des nouvelles. Je pense que c'est de la maman, si vous êtes l'homme, par rapport à votre ex-femme et par rapport à la mère, donc de vos enfants, de vos premiers enfants. Il y aura des nouvelles. Parce qu'il n'y a pas eu une bonne entente. Et ici, ça a l'air de pouvoir se calmer entre vous. Vous savez, quand on a une famille, ce qu'on appelle recomposée, que je n'aime pas du tout comme terme, c'est mon avis. Après, vous pensez ce que vous voulez, mais c'est mon avis. Et donc, cette famille, avec votre ex-femme, ça n'a pas toujours un accord et vous allez avoir des nouvelles. Je dis femme et je pense que ça peut être aussi comme c'est général, homme et femme. C'est parce que je vois toujours la carte de femme, femme, femme. Dites-moi ce que vous en pensez. Du repos, les lions, beaucoup de repos. Reformation, enfin vous allez étudier à nouveau pour faire des formations, pour pouvoir avoir plus facile et ne plus avoir peur et pouvoir partir d'où vous êtes. Professionnellement toujours. Hein. Ah, une nouvelle rencontre, une douce rencontre pour vous les lions. Alors vous n'êtes pas les plus doux pour l'instant, hein. Ça veut dire que vous êtes assez agité je pense. Dites-moi. Eh bien, une belle rencontre pour vous. Ah oui, une très très belle rencontre. Oui, avec aménagement dans un futur, hein, un aménagement. Vous osez. Vous faites confiance à la vie et ça se passe bien pour vous. Vous avez fait souvent confiance à la vie, hein. Les lions, n'est-ce pas ? Mais le travail, vous allez voir, hein, ça va jouer un rôle très très important. Et même pour les retraités, vous allez soit trouver une façon de vous occuper, d'une façon beaucoup plus, soit lucrative, soit ça peut concerner le cérébral. C'est vraiment essayer de trouver un épanouissement. Parce que vous en avez besoin, les lions, vraiment. Ben voilà les lions, j'ai fait votre tirage, donc c'est vraiment, en résumé, c'est vraiment essayer d'être le premier dans ce que vous voulez faire. Vous allez réussir. C'est vraiment, vous êtes attentif. Vous savez que c'est maintenant. C'est maintenant que ça va commencer. Et pour vous.
Donc la compétition, c'est très court, hein. Donc ça veut dire que vous vous lancez et il n'y a pas à faire 36 tours, hein. C'est, vous vous lancez et c'est là. C'est le premier qui arrive, soit pour donc acheter, pour vendre, enfin tout ce qui est changement professionnel également, c'est vous qui l'avez. C'est vous les lions et personne d'autre. Voilà. Donc c'est comme si vous vous lancez et c'est fini, quoi. Et c'est pas les tours de piste, il faut attendre, attendre. Non, non, c'est vous lancez, vous l'avez. Voilà, j'espère que j'ai été claire. La santé, reposez-vous. Pensez à votre système lymphatique. Pensez à vos rétentions d'eau, à votre ange ici. Voilà. Les cheveux qui sont, comme j'ai dit, un peu relevés, c'est parce que vous courez tout le temps. Vous avez vraiment, vous êtes dans la course, c'est pour ça. Il y aura un gros changement parce que ça va aller de moins en moins bien professionnellement pour vous. Donc ça, c'est très positif. Vous allez réussir à vendre ce que vous devez vendre et vous avez mis du temps à pouvoir le vendre. Et si c'est pour acheter, ça va se faire. Et on me dit même quelque chose avec des escaliers. Des escaliers. Voilà. Avec des pierres naturelles. On me parle aussi de pierres naturelles pour votre bien. Comme ça, c'est bien clair, c'est ce que je dis. Ben voilà, en gros, et une belle rencontre pour les célibataires et ceux qui sont en couple, ça va pas trop. Je vois pas de séparation pour la plupart des lions. Je vois surtout limites et des discussions. Voilà, c'est ce que je vois en gros. Je parle vite parce que je vous vois presque prêt à partir et à sauter, à prendre comme à faire un sprint. Voilà, faire un sprint pour arriver là où vous voulez. Et vous allez arriver. Vous êtes prêts. Voilà, j'espère que j'étais claire. J'ai parlé extrêmement vite. Vous m'avez influencée. Voilà, je vous embrasse très très fort, mes chers lions. N'oubliez pas de vous abonner, vérifier que vous l'êtes toujours, liker, partager. Et si vous voulez une consultation avec moi, allez voir mon site www.lafaycatherine.com. Vous trouverez tous les renseignements nécessaires pour un rendez-vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.